Salut à tous. Salut. Salut. Attention, chers abonnés, mesdames et messieurs, cette vidéo restera dans les mémoires. Ah, je peux vous le dire. Voilà, c'est normal, c'est une vidéo spéciale. Alors vous allez me dire, oui, toutes les vidéos sont spéciales. Ouais, c'est vrai que toutes les vidéos sont différentes. Mais celle-ci un petit peu plus. Pourquoi ? Parce que vous le voyez, une jolie petite Pokéball. Hop. Ce sera la vidéo concours, la première. La première que nous faisons vraiment une vraie vidéo concours et pas les petits concours qu'on vous organise à chaque vidéo. Non, là, on parle vraiment d'une vidéo concours. Alors, on va laisser ça de côté. Jusqu'à la deuxième partie, on s'est dit quand même que vous proposer une vidéo concours, c'était bien. Mais faire une vidéo de 3-4 minutes, bon, ce serait peut-être un petit peu ledge. Alors du coup, comme on a reçu les displays, on s'est dit qu'on allait ouvrir les 12 boosters pour agrémenter tout ça. Voilà, alors on va pas faire de chichi. On va ouvrir le display. Et dans la seconde partie, donc dans une petite dizaine de minutes à peine, on parlera du concours, des termes du concours, qui va commencer donc le 15, et qui s'achèvera le 15 décembre. Et le 15 décembre, évidemment, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo, et pour faire gagner les différents lots. Voilà, vous faire gagner les différents lots. Allez, on va déjà commencer par enlever le blister. Les displays, vous les connaissez. J'aimerais, comme dans la précédente vidéo, rapidement faire un petit coucou à tous les nouveaux abonnés. Voilà, les 20 dont on avait parlé dans la précédente vidéo, les 20 suivants. Alors, le fan d'époque, Antoine Téna, Angèle Crime, ou Angèle Crime, mais bon, je pense que c'est plutôt Angèle Crime, Mewtwo2000, Lucario95, Azoraben.fr, Léonard Ponce, Chirine Lachance, Jules Vince, Lego et Pokémon, Ishaf Old School, Loupoké08, Evoli X02 qui vient d'ouvrir sa chaîne il n'y a pas très longtemps, allez l'encourager, Le Mien Rémi, Firewind Rosa, Star Pet Shop 94 qui était déjà abonné, qui serait abonnement. On te cite quand même. Louya, Julien 94700 MSP, Ozsoi Ménette et Manon Calanquin. Voilà. Alors, je peux vous le dire, je suis vraiment très très heureux d'ouvrir un display. Vigueur spectrale, pourquoi? Parce que c'est mon avis, mais c'est que mon avis. Hein. Je pense que jusqu'à présent, c'est la série la plus aboutie de XY. Hein. Très franchement. La plus homogène, les cartes sont vraiment superbes. On va commencer par ce côté. Donc on va vous faire 12 boosters. Et puis, on enchaînera avec le concours à proprement parler. Donc si tout va bien, oh c'est super, ils sont dans l'ordre. Voilà, si tout va bien, on a les boosters à peu près dans l'ordre, donc c'est cool. Un rapide passage sur les illustrations, vous les avez déjà vues. Donc le Mega Lexprint, qui est quand même assez stylé. Hein. Le Mega Ectoplasma. Je ne vous cache pas que les méga en général sont très mal faits. Ce que je trouve un petit peu décevant, mais enfin c'est pas grave. Le booster que je préfère, le Exagide. Moi aussi. Ouais, dans sa forme défense. Et puis Diancie qui est très joli. C'est un nouveau Pokémon qui va sortir. Ouais, qui est sorti dans le film et qu'on verra très prochainement. Allez, bah écoutez, on va pas perdre de temps, hein. Vous connaissez la série, vous l'avez vue en japonais, vous la voyez en français, vous la voyez en anglais. On est parti. Avec le premier, mon préféré, le Super Booster, moi j'adore. Et alors la série est vraiment très belle. Alors reste avec nous, hein. Dans une poignée de minutes, on parlera du concours. Allez, c'est parti. Ah, je suis vraiment très très content d'ouvrir du XY4. Je trouve que c'est la série la plus jolie. Hein. Sans hésitation. Allez, le Girafarig pour commencer cette ouverture. Un Colimucus, le copain de Coupenote. Une énergie, une double énergie incolore. Un Gloopty qui est vraiment super joli. Vous voyez, là, on a vraiment un exemple de carte super bien illustrée. Très très belle celle-là. Le Pafavec, qui est très sympa aussi. Un Pitrouille. Un Elionceau, Sucroquin, notre premier reverse, ce sera un Léopardus en peu commune reverse, et on finit ce booster avec un Yann Mega qu'on n'avait pas eu, me semble-t-il. Non, on ne s'en veut pas non plus. Ah bah c'est toujours ça de prix. Allez, une rare que nous n'avons pas. Le Diancie. Bon, merci pour vos premiers retours hein, sur la vidéo, la deuxième partie du display Espèce Delta. On a bien rigolé. Ah, c'est un petit peu plus dur. Hein.
C'est un petit peu plus dur, mais vous allez trouver. J'en suis sûr, vous allez trouver. Alors, je vous donne un indice quand même. L'erreur se situe vraiment en début de vidéo. Allez, ça pourra vous aider. Allez, on continue avec un superbe Lumineon. J'aime beaucoup cette carte aussi. Nosferalto. Kulbutoke. Soloshi. Scorplane. Vous voyez, cette carte aussi est très jolie. Un Galvaron. Qui existe en deux versions, je crois. Alors, on est en milieu de semaine, donc il n'y a pas de concours dans cette vidéo. Il n'y aura pas d'erreur à découvrir. Un Krabi. Alors ça fait plaisir aussi. Vous voyez, Krabi. D'ailleurs, ce dessin est très beau. Le Caïminus, que j'adore. Funessir. Oh, ça, c'est génial. Alors, parce que cette carte, c'est une merveille. Alors, je sais que très peu de gens aiment Funessir. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Et on finit ce booster avec... Ouh ! Oh, bah alors, ça, c'est une bonne surprise. Wow ! Atout de Lissandre. Deuxième booster, une full art. Et c'est cool parce que... On avait eu AZ dans la vidéo des tripacks. Oh, super génial. Oh, puis elle est belle. Elle est magnifique. Hein. Moi, j'aime bien... Derrière, c'est tout doré. Allez, je vais quand même essayer d'enchaîner parce que le but de la vidéo, c'est de vous proposer une ouverture, mais il ne faut pas non plus qu'elle fasse 25 minutes. Ouais, super. Hein. Super première partie. Je ne sais pas si elle existe. Bah écoute, moi non plus, j'en avais entendu parler, mais je l'avais pas vu encore. Réducteur de combat. Couverture, moi j'adore. Bah franchement, ces cartes sont superbes. Diamat. Mouna. Archéomir. Chakripan. Larveillette. Viscuse. Un Sucroquin, un peu comme une reverse. Et nous terminons avec l'Aéromite, super. Très coloré, ouais, très joli. Les boosters sont à peu près... Ouais, c'est un petit peu plus... Ah ouais, ouais, ça le ferait presque. Ça le ferait presque. Allez. Les petits ectoplasmas qui nous regardent. Allez, AZ. Mélancolux, superbe carte. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Superbe celle-là aussi. Le sifflet de rappel. Soloshi. Funessir. Scorplane. Yanma. Caïminus. Un Megavolt. Ça, on n'avait pas eu non plus. Hein. En rare reverse. Dans les tripacks, non, me semble-t-il. Derrière, on aperçoit le décor. Ça doit être. Bon, de toute façon, c'est un décor de. Il y a beaucoup de décors du jeu dans cette série. Et on finit avec. Ouf, bah alors, Exagide X. 4 boosters, dis donc. Ouf. Bah non, on va rien se taper. Ça veut rien dire. Ah, on est parti sur des bases très élevées. Oh la vache. Allez. Vraiment très belle, cette carte. Ah ouais, cette carte est superbe. Je suis désolé hein. Si je vous vole la vedette avec les cartes X. Je vais prendre 4 boosters, Jancy, Xavier, Ectoplasma et un Electek. Ouais, on va faire comme ça. Allez, on va les mettre là. Petit Ectoplasma et la petite Pokéball. On commence par le booster Ectoplasma qui est très joli. J'ai essayé de bien les ouvrir, mais c'est pas dit. Ouais, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Spécial, double énergie encore, si. Un Krabos, j'ai cru que c'était une rare. Elle est super cette carte. Géolite. Un Écaillon. Sucroquin. Corneb, je sais pas si on l'avait vu celle-là. Un Osferapti.
Sapporo. Super belle. Hein. Un Pitrouille en reverse. Et pour finir, ouh, ouh, méga ectoplasma secrète. C'est la secrète. Oui. Là, il y a les bourbrillons. Oh, c'est la secrète. C'est la première secrète qu'on pioche. En plus, c'est la 121. Oui, c'est la 121. Ouais, 119. Le petit signe. Là. Oh, mais alors. Elle est vraiment magnifique. Trop, trop belle. Ah, bah alors là, le problème, c'est qu'on est premier parti sur booster. Sur des bases très élevées, mais. En plus, c'est le booster ectoplasma. Mais sur la deuxième partie, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous proposer? On aura des holos, à défaut. C'est incroyable, en fait, c'est le booster ectoplasma pour un méga ectoplasma. Oh, c'est géant. Je l'avais même pas vu. Dans tous les cas, sur 12 boosters qu'on va ouvrir, 3 ultras déjà, c'est énorme. Hein. Ouais. Un Krabos géolite. Une vallée dimensionnelle qui est vraiment magnifique. Hein. Nosferapti, Chuchemur, Cornèbre, un passe rouge, Galvaran, on a un Solchi en reverse, et pour finir, Broabam en rare. Ouais, qu'on n'avait pas eu non plus. Non, il paraît qu'il y a plusieurs formes de couleurs. Ouais, j'en ai entendu parler, ouais. On a la violette. Attends, je vais te prendre tes cartes. Booster Diancie. Faut prier que c'est du là. C'est pas les boosters Rex, hein. Ouais, mais c'est pas grave. D'accord. Il est mort là. On a encore une vallée dimensionnelle. Il y a un spirituel d'Elix Spring qui est vraiment très joli. Hein. Un grand boom. Passe rouge. Carabing. Armure qui est très belle. Hein. Pitrouille. Le Vénard qui est très rigolo. Moi ouais, j'adore. Archeomir en reverse. Très jolie carte. Et Archeodon en rare. Et on finit avec ce booster, le Exagilé, qui est mon préféré. Ouais, il est très beau ce booster. Oh. Oh, presque. Parfait, lui, c'est bien ouvert. On a trois. On a un bunker d'acier, je sais pas comment on dit. Brésillon. Une énergie mystère. Statistique, qui est très beau. Un d'Eden. Il y a trois mignonnes. Chaque pan. Encore un Galvaran. Carabing. Nosferalto. Un peu comme une reverse. Et Corvos. En rare. Ouais, qui est très beau. Corvo, c'est vraiment une très belle carte. À coupe-notes. Et je vais terminer donc avec les 4 derniers boosters. Hop, je vais les prendre tout de suite. Allez, on commence par le Diancie. Allez, Pitrouille, Statitique, Carabing, Le Vénard, Sapero, une pièce faussée, Léopardus, Crocodile. Ouais, ouais. Super, on l'avait pas eu. Donc un Pachirisu en rare reverse. Et on termine avec un Lansargot en rare. Le booster est extinct.
Allez, Viscus. Galvaran. Chakripan. Mimitos. Mouna. Rapace de pique. Coiffarel. Xantin. Un mucuscule en commune reverse. Et pour ta... Ouh ! Oh là là là, mais c'est incroyable. Eh bien, un ectoplasma ex. Alors, c'est juste, c'est pareil, une opinion, mais je préfère largement la version simple du ectoplasma que la méga. Enfin bon. Moi, cette carte est superbe. Ah ouais, elle est vraiment magnifique. Hein. Ouais, très jolie. Ectoplasma qui me porte chance. Ouais. Bon, alors, on est parti pour un display à 12 ultra. Hein. On continue avec un Nosferapti, Hermure, Gloopti, Viscus, Caiminus, le Scrutma, Géolite, Cherche VS, ouais. Et bien un Géolite à nouveau en peu commune reverse, et on termine super avec un Scorvol. Très jolie carte. Dernier booster, Exagide, mon préféré aussi. Ouais, l'Exagide a fait l'unanimité. On termine avec un Piafabec, Gloopti, Yanma, Statitique, Scorplane, Couverdure, Les Rollers, Ramboum, et bien un Ramboum un peu comme une reverse, et pour terminer, un Megavolt en rare. C'est pas mal, hein? Alors, revenons à nos moutons, au concours. Alors, les thèmes du concours sont très simples. Avec la team, on avait vraiment envie de faire plus ample connaissance avec vous, donc ne mettez pas forcément je participe, ce sera pas forcément le plus génial. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous connaître davantage. Alors, pour vous connaître davantage, voilà. Vous nous mettez un commentaire. À partir du moment où vous posez un commentaire dans cette vidéo, on considérera que vous participez au concours. Concours qui va commencer le 15 novembre et qui s'achèvera le 15 décembre. Voilà, comme ça, vous aurez de jolis petits cadeaux pour la période de Noël. C'est la période la plus appropriée. Si vous le voulez bien, mais vous n'êtes pas obligé non plus, voilà. Vous pouvez nous dire... Quel est votre prénom? C'est anecdotique, mais vous pouvez quand même le faire. Ce qui serait quand même intéressant, c'est que pour apprendre à vous connaître, vous nous parliez de ce que vous faites. Vous êtes collégien, vous êtes étudiant, vous travaillez. Quels sont vos souhaits pour le futur? Parce que ça, c'est quand même important. J'aimerais être dessinateur, j'aimerais être plombier, j'aimerais être charpentier, j'aimerais être sportif de haut niveau. En fait, vous faites comme vous voulez. Et puis, mais je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire connaissance avec vous. Moi, je pense que même si on envoie des petits lots à chacun d'entre vous, à 4 gagnants différents chaque semaine, ce qui nous permet de connaître pas mal de gens déjà. On a envoyé presque 100 enveloppes depuis qu'on a commencé à faire des vidéos avec concours, hein, je dis bien. Donc voilà, moi j'ai vraiment envie, on a vraiment envie de faire connaissance avec vous. Donc n'hésitez pas, tout en restant dans l'intimité si vous le souhaitez, hein, vous pouvez nous dire. Comment vous vous appelez? Quel âge vous avez? Pourquoi pas? Voilà, j'ai 13 ans, je m'appelle Cyril, je suis en 5e et puis j'aimerais plus tard être pompier. Voilà. Ça peut être une idée, voilà, plutôt que de nous mettre simplement je participe, ce sera quand même déjà moins intéressant à lire. Bon, on espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Et franchement, 12 boosters pour accompagner les termes de ce concours, et c'est quand même incroyable. Ouais, franchement, et sur ces bases-là, vous imaginez, on peut avoir un display à 7-8 ultra, ce qui serait quand même exceptionnel. Donc voilà, et on se retrouvera dans un mois en haut, hein, avec ces petits papiers, au dos desquels on aura placé votre pseudo, tirage au sort. Et alors, j'avais oublié d'en parler, on essaiera de faire gagner le plus grand nombre d'entre vous. Donc je pense qu'on partira sur 20 lots, 20 gagnants, peut-être 30, ça dépendra de notre budget aussi.
Ne vous attendez pas non plus à un display par personne. Hein. Je suis jardinier, j'ai pas non plus des centaines de milliers d'euros par mois. Mais on essaiera de vous gâter. Voilà, ce sera l'occasion pour nous de vous souhaiter un très très bon Noël. Voilà. Eh bien écoutez, passez une excellente fin de semaine et on se retrouve ce week-end pour la deuxième partie. Salut. Salut. Salut.